Amis joueurs, bonjour chez vous, ravi de vous retrouver sur la chaîne sur Il était un jeu. Vous avez été très nombreux à regarder, à partager aussi euh, la dernière vidéo de mon top du mois de mars dernier et je vous en remercie tout d'abord. Mais surtout ça m'a donné vraiment envie bah, de continuer de partager un petit peu les coups de cœur qu'on a pu avoir mensuellement plutôt que de faire des choses très rapprochées. Donc on y va pour tous les mois faire un top. Et ce mois-ci a été riche en nouveautés, riche en découvertes aussi. Que ce soit des jeux enfants, familiaux, un peu plus touffus aussi. Il y en a un qui, qui c'est sûr, va vous plaire énormément. Il y en a même deux, trois qui sont très reconnus et déjà en rupture de stock. Mais je vais quand même vous en parler parce que oui, s'ils sont en rupture de stock, c'est aussi parce qu'ils ont été très appréciés et très attendus aussi. Et donc, évidemment, ben nous, on s'est jeté dessus. On les a achetés de suite. On a vraiment profité et j'ai vraiment... Envie de vous en parler, de partager ça bien sûr euh, avec vous. Donc ça a été très difficile d'en choisir que 3 comme j'ai pu le faire euh, le mois dernier. Cette fois-ci, 10 10 que je vous propose. Et on va y aller crescendo en commençant par les enfants. Et vers des jeux qui sont pas encore sortis, qu'on a eu la chance d'avoir en avant-première et qu'on a vraiment apprécié ici à la maison. Donc installez-vous, allez-y, regardez, moi je suis prêt. On va parler d'un petit peu tout ça pendant quelques minutes. On va revenir rapidement sur mon avis, pourquoi on les aime. Et bien j'espère que vous êtes prêts chez vous. C'est parti commence tout de suite avec la catégorie enfants même si on est des grands enfants c'est surtout notre petite aussi qui a bientôt 4 ans qui nous permet euh, ben de justement de tester des jeux un petit peu plus enfantins et on commence tout de suite avec un coup de cœur de Jadou c'est Photo Photofish, euh, Photo fiche il a été regardé on le voit juste ici il a été nommé au Kinder des euh, donc c'est-à-dire la catégorie jeu enfant de l'année euh, l'été dernier euh, en Allemagne, il n'a pas gagné le trophée, mais s'il a été nommé, c'est que c'est un bon jeu et ça l'est vraiment. Regardez la, je trouve que la couverture elle est un peu bizarre, mais en fait ça ça l'air la française il paraît parce que sur le mal envers, normalement c'était plutôt comme ça que ça devait se présenter. Bref. Photofiche, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on photographie des poissons. Voilà. Chaque enfant, chaque adulte, parce qu'on peut jouer aussi ensemble, c'est adapté. On va voir ça tout à l'heure. Euh, va récupérer donc un appareil photo, un plateau, selon la difficulté qu'on aura choisi aussi. On jette les deux dés qui sont présents dans la boîte et c'est parti. On va devoir photographier exactement les ou le poisson de la couleur qui sera représentée sur nos dés et l'encadrer avec notre appareil photo. C'est très rapide, c'est vraiment très très facile et c'est surtout adaptatif. Parce que les appareils photos, pour les petits, on leur proposera les petits appareils photos, et les adultes ou les grands enfants, on leur proposera peut-être un plus gros appareil photo, ce qui va peut-être aussi entraver nos photos, inclure des poissons qu'on ne voulait pas dans notre objectif. Voilà, c'est quand même assez assez ludique, surtout qu'il n'y a pas de frustration parce que celui qui récupérera en premier, qui arrivera à faire le cliché de la photo des 2D, va crier clic. Et il récupérera un gros tronçon de poisson. Et ceux qui sont secondaires, ben, ils récupéreront un tout petit. Donc qu'on gagne ou qu'on perde, on avance quand même dans le jeu. Donc la frustration n'est pas présente. C'est aussi pour ça que c'est très apprécié à la maison par, par notre fille. Et, et voilà, c'est très très plaisant, c'est très facile. Et on peut que vous le conseiller. Euh, c'est le passe-temps encore une fois qui nous l'avait conseillé on est addict un petit peu à leur chaîne et à leurs posts sur instagram et donc c'est Rachel qui nous avait euh, qui, qui nous avait donné franchement envie et eh bien on allait le chercher chez eux et voilà si vous cherchez un jeu enfant euh, déjà des 3 ans hein, je crois qu'il a marqué euh, à partir de 4 ans pour 2 à 4 joueurs pour une quinzaine de minutes nous à 3 ans et demi elle y jouait déjà et, euh, et elle apprécie énormément et nous aussi le deuxième jeu que je vais vous présenter, on est encore dans la catégorie enfant. On change de format parce que c'est un tout petit jeu. C'est Uli Poli. Uli and Poli, pardon. <laughs> oui, il y a le petit et parce que Uli, ce sont les moutons et Poli, ben, c'est le c'est le chien. Le but de ce jeu, là aussi, ça nous a été proposé euh, quand on est allé au passe-temps. C'est Rachel, encore une fois, qui nous l'a proposé et on l'a pris de suite parce que c'est très, très petit, c'est pas cher du tout et surtout, surtout euh, adapté à, aux enfants. C'est à partir de 4 ans, de 2 à 5 joueurs pour des parties de 15 minutes. Euh, 5 minutes, ça passe, mais vous aurez forcément envie d'en refaire une deuxième. Et une troisième, parce que c'est totalement asymétrique. Il y en a un qui joue le rôle du loup, mais le loup, il est dissimulé, comme on peut voir sur la, sur la boîte. Il est dissimulé, il est caché en mouton. On va retourner toutes les pièces face verso, donc que des moutons vus du dessus, en quelque sorte. Et c'est parti. Les autres joueurs jouent le chien, positionnent le chien sur un mouton qu'on va révéler. Et celui qui a le rôle du mouton va maintenant avoir le, le droit et l'obligation même d'intervertir deux pièces, deux pièces adjacentes. Est-ce qu'on va bluffer Est-ce qu'on va dire la vérité Est-ce qu'on va essayer de s'éloigner ou de mettre des fausses pistes un petit peu aux autres joueurs Mais c'est toute l'essence même du jeu. Donc je pense que c'est parfait pour initier au jeu de bluff et même les enfants, franchement, euh, ils vont vous surprendre avec ce genre de ce, ce genre de petit jeu parce que c'est très rapide, très facile, très ludique aussi parce que tous les moutons ben ils ont des des têtes différentes. Je vous laisserai apprécier celle que vous préférez bien sûr. Euh, nous, nous c'est celui qui a, qui a la petite morve qui coule au nez. Voilà. C'est édité chez Blue Orange qui fait toujours des jeux qualitatifs et dans des petits formats, toujours avec cette, cette ouverture latérale qui, qui fait vraiment le taf. Et, et voilà, Ulien Police c'est le petit, genre de petit jeu qu'on sort avant de manger ou même après manger. Euh, c'est très rapide, très, très ludique et. Euh... Mais quoi Qu'est-ce qu'on demande de plus, de toute façon Allez, on passe de suite au jeu, un tout petit peu plus sérieux. Et là, c'est vraiment du sérieux parce qu'il va falloir être un enquêteur hors pair pour trouver, pour trouver quoi Mais pour trouver les suspects. <laughs> les suspects. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps. N'hésitez pas à aller cliquer juste ici pour voir ma vidéo, mon avis, en tout cas les trois raisons de mener l'enquête que je vous ai proposées il y a quelques jours sur la chaîne. Vous avez été déjà pas mal à la regarder, ça fait super plaisir, merci énormément. Suspect, c'est à partir de 10 ans, de 1 à 6 joueurs pour des parties de 90 minutes. Et avant d'aller un petit peu plus loin, ça c'est la boîte avec les 3 enquêtes qu'il y a à l'intérieur, mais n'hésitez pas à aller chez vos ludothécaires préférés, favoris, vos boutiques de jeux préférées, parce que vous pourrez peut-être récupérer... Un, un, pas un prototype, mais une version d'essai qui est un peu plus courte, bien sûr, mais vous donnez un avant-goût un petit peu de, de ce que ça représente. Dans Suspect, il y a trois enquêtes successives de difficultés croissantes. La première met les bases, la deuxième et des mécaniques un petit peu nouvelles, et la troisième, elle est vraiment très 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 difficile. Euh, on s'est pris une fessée, on s'est pris une raclée. Je crois qu'on avait que 7 sur l'enquête, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y avez joué. Mais combien vous aviez eu Parce que nous, sur Instagram, on en a pas mal discuté. Je vous l'ai déjà proposé d'ailleurs en concours il n'y a pas très longtemps, si vous avez participé. Et bien, on a tous eu des scores minables. Voilà. <laughs> mais le plaisir de jeu était vraiment là, parce que c'est des grosses enquêtes de 90 minutes, comme je vous le disais. Donc, c'est plutôt long, mais c'est très plaisant. On est dans la peau de Claire Harper, qui est une enquêtrice. Ici, pas de technologie, on est à l'ancienne. Une loupe, de la jugeote et des. Ben, des suppositions pour trouver parmi les suspects quel est le, euh, ben, le meurtrier, le, le coupable. Euh, les trois enquêtes, elles sont vraiment très très bien écrites. Il n'y a pas de frustration dans la résolution des enquêtes parce que toutes les cartes, ça se joue uniquement avec des cartes, toutes les cartes quasiment vont être dévoilées à la fin du jeu, mais on n'aura pas non plus les réponses. Il faudra faire des, des associations entre euh, ben, toutes les cartes que vous avez pu découvrir faire preuve un petit peu de déduction pour trouver les coupables. Et là où c'est vraiment sympa aussi, c'est que tous les objectifs de chacune des missions eh bien, sont déjà connus dès le début. On lit l'introduction et on sait exactement ce qu'on doit chercher. Le meurtrier, la pièce, euh, peut-être aussi des, des missions, des quêtes, euh, enfin des quêtes, je parle un peu jeu vidéo là, mais euh, des enquêtes annexes euh, qui donneront des points bonus pour savoir peut-être quel était le lien entre le meurtrier et euh, le... Et le, le défunt le celui qui a été assassiné euh, voilà c'est vraiment un jeu qu'on a vraiment apprécié studio h ils font à chaque fois des jeux euh, quand même assez dingo on s'y attend pas et c'est vraiment très très plaisant il ya marqué hop je sais plus où c'est marqué il a un petit 1 juste sur la tranche j'espère que cette bonne augure et que ça nous permet euh, une belle collection par la suite parce que ça vaut vraiment le coup je peux que vous recommander dans suspect on était vraiment dans le Concret, il fallait trouver les coupables, trouver les meurtriers, etc. Passons tout de suite à quelque chose de beaucoup plus abstrait, mais de très très joli. En tout cas, on a passé d'excellents moments ce mois-ci. C'est Tsuro. Tsuro, c'est édité chez Matago. C'est de 2 à 8 joueurs des parties de 10 minutes à partir de 8 ans. Tsuro, vous laissez pas un petit peu berner par son côté un petit peu. peut-être pas très abordable. c'est pas du tout le cas. Parce que dans Tsuro, c'est très abstrait, il n'y a pas vraiment de mission ou d'histoire là derrière ça. Euh, on a un petit, un petit galet de couleurs, et chacun son tour, chaque joueur va devoir positionner une euh, tuile, une tuile euh, directement adjacente à son galet, et devoir l'avancer selon le trajet qui sera représenté. Le but, ça sera au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y aura de plus en plus de tuiles qui seront connectées. Et le but, ça sera d'être le dernier présent sur le plateau. On va déplacer son galet sur une, la tuile qu'on vient juste de poser, justement. Mais si on arrive à connecter les tuiles des autres joueurs aussi, eh bien, on va pouvoir les amener le long des chemins et voir où c'est que ça les amène. Et bien sûr, le but, ça sera de les amener vers l'extérieur du plateau pour les éliminer. Mais attention! Parce que si vous rentrez en confrontation, et bien les deux galets se touchent, là aussi c'est euh, l'explosion et vous serez euh, aussi éliminé. Donc c'est très simple, c'est très fluide, c'est très rapide aussi. C'est le genre de jeu qu'on sort aussi, c'est ce que j'ai mis sur mon avis sur Instagram, c'est que c'est vraiment le genre de jeu qu'on sort pour le café euh, juste après parce qu'il n'y a rien à comprendre. Les règles elles sont expliquées en deux minutes et on comprend un petit peu tout le, toute l'essence du jeu euh, ultra, ultra rapidement il y a quand même de la rejouabilité c'est pas est-ce qu'il y a vraiment de la stratégie derrière honnêtement pour l'instant je ne sais pas trop euh, il y a des tuiles bien sûr qui sont beaucoup plus fortes que d'autres et vous apprendrez un petit peu à jouer avec ça le fait de s'isoler dans un coin du plateau ça peut euh, mais ça peut vous protéger aussi mais attention aux tuiles que vous aurez en main parce qu'il faudra quand même les utiliser donc, euh, donc voilà Tsuro euh, édité chez Matago très bonne pioche sans vilain jeu de mots vous aimez le combat le vrai ça tombe bien, moi aussi. Et c'est d'ailleurs un jeu de combat dont je vais vous parler tout de suite. Euh, et c'est Unmatched. Unmatched euh, Combat des Légendes Volume 1. Parce que ouais, je vous le dis de suite, j'en ai parlé d'ailleurs sur une vidéo. Là aussi, tchouc, cliquez, ou là, c'est par ici. Cliquez directement si vous voulez voir un petit peu plus toute l'essence du jeu, le matériel, mes peintures aussi, parce que j'ai peint, euh, voilà, à mes, à mes heures perdues, j'aime bien peindre aussi. Et les règles du jeu pour bien commencer à jouer, c'est un combat des légendes. Et volume 1, je reviens un petit peu là-dessus, c'est parce qu'il y a énormément d'extensions qui sont déjà sorties en anglais et on espère que Yellow, qui l'a localisé en français, va nous proposer ça. Et au moment où je tourne cette vidéo, il y a déjà une première extension qui fait office aussi de standalone, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que vous pourrez jouer même avec cette petite boîte. Il y a deux nouveaux personnages, Bigfoot et Robin des Bois. Parce que dans cette boîte de base, on retrouve euh, quatre euh, héros, euh, Simbad, Alice, le roi Arthur et Méduse de la mythologie grecque. Et c'est parti pour le combat. Ils sont dans une sorte d'arène avec des figurines très très bien modélisées, avec un lavis, donc elles sont pré, une sorte de pré-peinture, on va dire, qui met pas mal de contraste et de volume dans les figurines. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. On récupère son paquet de cartes et les acolytes en fonction du personnage qu'on aura choisi d'incarner. Et c'est parti pour le combat. Le but, c'est de tuer les autres. C'est sympa. Euh, en tout cas, c'est d'enlever de, voilà, de, leur point de vie. Euh, chacun aura un style de jeu bien particulier, que ce soit à distance, que ce soit en combat rapproché, que ce soit avec un acolyte plusieurs, euh, des façons de se déplacer différemment, des façons d'utiliser de, les cartes différemment. Euh, c'est très simple à jouer malgré un côté pas très attrayant là non plus ne vous laissez vraiment pas berner par ça je vous le répète parce que c'est vraiment un excellent jeu c'est euh, justement c'est de 2 à 4 joueurs je pense vraiment qu'il faut y jouer à 4 pour sa configuration euh, optimum c'est à partir de combien ça c'est à partir de 9 ans pour 30 minutes de jeu environ donc c'est vraiment aussi très rapide aussi. Le petit plus, c'est qu'il y a un plateau recto verso pour mettre des sensations de jeu un peu différentes en tout cas dans le placement de ces figurines parce que oui, les cartes qu'on va jouer, on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir mener une attaque mais aussi si on est attaqué, pouvoir se défendre aussi et faire un peu de stratégie et utiliser des cartes aussi à effet immédiat parce que dans le jeu, voilà, il y a que trois actions différentes, soit je Pioche une carte et je me déplace. Soit j'utilise une action immédiate, soit je tente d'attaquer, soit de mêler à côté, soit à distance sur une zone de la même couleur. Et c'est parti. Et les cartes, elles sont toutes, quasiment toutes, avec un effet aussi de combat euh, qu'on qu va pouvoir activer avant, pendant ou après le combat, selon qu'on ait gagné ou non aussi. Donc il y a ce côté stratégie, euh, parce que chaque carte aussi va pouvoir être utilisée euh, seulement par euh, tel ou tel personnage, son héros principal, mais... Ou alors ces acolytes, ou les deux, ça dépend, ça sera marqué. Tout est limpide, tout est clair, tout est fun, c'est du fun immédiat et c'est tout ce qu'on demande dans un jeu du genre. Pas de prise de tête, on fonce et il y a quand même pas mal de stratégies, de placements, de tactiques, de bluffs aussi. Donc euh, si vous cherchez un jeu entre potes euh, pour y jouer à 4, je peux que vous le recommander. J'ai déjà hâte moi de recevoir les extensions. Donc euh, c'est peut-être gage de qualité. Aïe, 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 les deux prochains, je suis sûr que si vous aimez les jeux de société, si vous êtes euh, comme nous, euh, en adoration devant la beauté des jeux et devant des mécaniques qui sont quand même très très fluides, je suis sûr que vous les attendiez impatiemment. Nous aussi, je les avais précommandés, je suis allé les chercher en boutique dès le jour de leur sortie. Les deux prochains jeux, c'est des best-sellers et on commence par le premier. Il est beau, il est frais et il nous fait voyager, c'est Everdell. Everdell, c'est tellement beau. On remercie Matago de nous l'avoir amené enfin en français après des années, ouais, des années quand même, d'attente pour euh, qu'on puisse traduire un petit peu tout ça. C'est de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 40 à 80 minutes, c'est la boîte qui le dit. Et c'est vraiment ça, en fonction du nombre de joueurs. Parce que plus vous serez nombreux et plus les tours vont être longs. Parce que dans Everdell, on a trouvé une cité, en tout cas un arbre géant, et on va essayer chacun de bâtir la meilleure des cités pour accueillir des populations d'animaux. Ils ont envie de tous travailler ensemble. Et qu'on qu on se le dise de suite, c'est vraiment très, très bon. Et surtout, c'est très, très beau. Le plateau de jeu est immense, prévoyez quand même pas mal de place. L'arbre, il est là, il met un peu plus de verticalité dans le jeu. C'est pas indispensable, mais en fait, les étages qu'on va mettre sur cet arbre-là vont aussi amener des objectifs secondaires et des objectifs surtout renouvelables pour, pour vos futures parties ce seront des objectifs à chaque fois uniques et qu'on va renouveler à chaque fois les petits meeple ils sont trop mignons aussi qui représentent les, les animaux de la forêt à chaque couleur son type d'animal bien évidemment c'est un jeu de placement d'ouvriers c'est un jeu de gestion de ressources de création de cartes aussi il y a pas mal de choses à faire ça peut être un petit peu déroutant au début parce qu'il y a énormément de choses à faire. Est-ce que je vais prendre une action principale sur le plateau Est-ce que je vais jouer une carte de ma main Mais pouvoir jouer une carte, ça me nécessite quand même des ressources qui seront indiquées sur cette carte. Est-ce que je vais aller chercher des ressources justement Est-ce que je vais jouer, enfin récupérer et jouer une carte de la prairie C'est ce qu'il y a au centre du plateau aussi. Est-ce que je vais aller piocher Est-ce que je vais essayer d'avoir des objectifs uniques pour marquer des points est-ce que je vais aussi me placer chez les adversaires parce qu'ils pourront aussi avoir des cartes où on pourra s'y placer Est-ce que ce placement il est unique Est-ce que ce placement il y a plusieurs qui peuvent aller dessus Il y a pas mal de choses. Les règles sont plutôt bien écrites. Il y a un mode solo aussi qui a l'air vraiment bien fichu, mais oh, je suis pas trop fan des, des jeux solo. Je préfère partager ça. Donc euh, c'est surtout très beau, très logique, et il y a énormément de choses à faire. On ne pourra pas accumuler énormément de choses parce que dans notre village, on pourra avoir que 15 cartes maximum qu'on pourra pouvoir créer. Donc il faudra peut-être aussi tenter d'éliminer des cartes pour en mettre de plus puissantes, profiter des pouvoirs immédiats ou des euh, permanents de certaines cartes aussi. Bref, il y a du combo et il y a un truc que j'apprécie vraiment pour ceux qui nous connaissent et qui apprécient la chaîne. Euh, un des premiers jeux qu'on a eu, c'était Seven Wonders et on retrouve un petit peu Seven Wonders là-dedans par le chaînage. Le chaînage, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui vont nous permettre de créer d'autres cartes, mais ce, totalement gratuitement, sans payer la ressource qui sera indiquée. Par exemple, avec la poste, je vais pouvoir, mais on le voit en plus sur, la, sur le dessin, ça c'est vraiment très très beau, je vais y revenir, on va pouvoir recruter directement le pigeon voyageur euh, sans payer son coût en ressources et bénéficier de son action. Donc il y, y a ce système-là, on va réfléchir, c'est bien indiqué sur les cartes, que tel ou tel personnage, on peut le recruter de telle ou telle manière que tel ou tel euh, bâtiment peut nous donner telle ou telle action aussi, en tout cas le recrutement de, de tel ou tel personnage. Donc c'est vraiment très très bien fait et surtout, vous le voyez, c'est extrêmement beau, c'est vraiment magnifique, c'est un des plus beaux jeux, je le dis souvent, mais là on rentre vraiment dans le top, c'est un des plus beaux jeux qu'on ait, c'est très fluide, c'est familial, c'est pas ultra expert parce que les cartes elles vont quand même se renouveler. Les cartes, on va quasiment à chaque partie, on a quasiment fini la pioche à chaque fois, donc on a... Quand même, cette impression d'avoir découvert le jeu dans sa totalité sur la première, deuxième partie, mais pas la façon de jouer, parce qu'il y a énormément de manières de marquer des points par les combinaisons de cartes, par l'accumulation de points, par la, la création de cartes, par euh, l'acquisition d'objectifs aussi. Donc, il y, a, il y a quand même pas mal de choses à faire. Everdell, je vous le souhaite. Je souhaite pour vous qu'il soit disponible, redisponible en boutique très très rapidement, parce que c'est un des jeux qu'il faut avoir et présenter à ceux qui ne savent pas ce que c'est encore le jeu de société moderne. Je pense que ça fait partie des jeux qu'on doit avoir forcément dans sa bibliothèque. Merci Matago de nous l'avoir édité, euh, et de nous l'avoir surtout, enfin, édité, localisé euh, en France. Et allez-y, foncez, euh, réservez-le, euh, précommandez-le si vous le pouvez, allez dans vos boutiques, euh, foncez, foncez, foncez. J'espère que vous êtes bien remis de vos émotions, parce que c'est pas... Fini. Celui-ci aussi, il est en rupture. Je suis allé le chercher le jour de sa sortie. On va chercher tout ça là-bas. Et c'est les ruines perdues de Narak. Hop là, on le voit. C'est Yellow qui nous permet de localiser ça aussi ici en France sous la gamme Expert. C'est de 1 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur. Donc à 4, ça fera quand même 2 heures. Pour, des... pour ça, à partir de quel âge Ça, c'est 10 ans, 12 ans C'est 12 ans euh, 12 ans, ça demande pas mal de jugeote, pas mal de réflexion, pas mal de planification. C'est surtout ça, parce que dans les ruines perdues de Narak, on est sur une île, il va falloir trouver les ruines perdues de Narak. <laughs> <laughs> c'est... Ouais. voilà, c'était pas très difficile à trouver. Le plateau est immense, le plateau est très beau très coloré, très détaillé. Il y a un milliard de choses à faire à chacun de ces tours. C'est de la planification pure, avec un peu de deck building comme il faut, avec un peu de placement d'ouvriers bien comme il faut aussi, de la gestion de ressources à gogo pour créer des cartes, avancer justement vers ces ruines perdues, aller explorer de nouvelles ruines, aller expier euh, tout ça pour ramener des objets aussi euh, à, dans votre campement. Pour aller battre les gardiens des monstres qui protègent justement ben, certains sites sur cette île-là, c'est un truc de malade. Ce jeu, il est beau, je vous le dis. J'en faire une vidéo. Ça, c'est mon jeu de l'année, je pense déjà. Euh, tellement on l'a apprécié, tellement on a envie d'y retourner. Et quand il y a un jeu, on l'a sorti une fois, deux fois, trois fois et qu'on a toujours envie d'y retourner pour peut-être tenter une façon différente de marquer des points. Et oui, parce que je perds souvent, et peut-être de gagner, voilà. c'est que ça fait vraiment l'essence des bons jeux. Et les ruines perdues de Narak, c'est pas bon, c'est excellent, il était très attendu, on est très content de l'avoir ici, c'est juste magnifique, les cartes, il n'y en a pas beaucoup, enfin pas beaucoup, il y en a suffisamment, parce qu'en fait, chaque carte est unique, avec un nom, une illustration magnifique, là aussi. Mais chaque carte est unique, avec une capacité unique. Et donc, on ne va pas en avoir des milliards là, là non plus. Donc, il y, y a toujours cette envie de découverte. Votre paquet de cartes, il ne va pas re revenir très souvent. Donc, il va falloir sélectionner avec exactitude, selon votre stratégie, les cartes qu'il vous faut dans votre jeu. Parce que le jeu se joue en 5 manches. 5 manches, c'est court. Mais 5 manches, c'est assez long aussi. Les parties, elles font vraiment 2 heures quand on joue à 4. Donc, euh, il faut avoir un peu de temps devant soi parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On a envie de planifier au mieux possible pour avoir les ressources qui nous permettra d'avancer toujours plus loin dans l'exploration. Les tours de jeu, ils ne sont pas définis. Je vous ai dit, il y a 5 manches, mais les tours de jeu, chacun va faire une des 7, je crois, des 7 actions qui sont disponibles et c'est à l'autre euh, joueur de jouer, etc. Jusqu'à ce que ça nous revienne à nous. Bon, qu'est-ce que je vais faire, etc. Le but, c'est d'avoir le maximum de tours de jeu finalement. Pour pouvoir faire un maximum de choses, donc si je grille direct, tout, directement toutes mes, toutes mes ressources, ben, je serais un peu piégé parce que je pourrais pas acheter de cartes, je pourrais pas me déplacer, etc. Donc je vais peut-être profiter de mon meeple. Allez, je vais me déplacer, accumuler d'autres ressources. Donc à chaque tour, il y aura vraiment quelque chose à faire, et c'est ça qui est assez extraordinaire. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est. Je sais pas quoi vous dire de plus, euh, peut-être si. Les copains, on avait fait une vidéo sur Clermont avec les copains. Game trotter. Et les gars, c'est pas trop la classe. Ils sont sur la boîte. Ils ont donné leur avis en avant-première. Ils font partie de la boîte. C'est juste euh, c'est juste trop fort. Bravo les gars si vous passez par là. C'est excellent. Euh, un petit reproche. Allez, on y va du reproche. Parce que malgré les... tant d'éloges, il y a toujours quelque chose qui va pas. La boîte, franchement, pff, ils auraient pu mieux faire. À l'intérieur, je vous le montre. Hein. Là, le carton, il est assez souple, donc je suis un peu dégoûté. J'ai très peur de, de l'abîmer. Mais à l'intérieur, on enlève le livret de règles. On dirait pas Uncharted, s'il vous plaît hein Ou Indiana Jones, pour les plus vieux. Mais les règles, très 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 bien écrites, vraiment. C'est un modèle, un modèle du genre, avec des exemples aussi pour illustrer chaque, chaque paragraphe. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je vous présente la boîte de jeu. C'est pas beau, ça Du plastique, un peu de plastique, et encore avec un peu de plastique. Bon, c'est... Ceux qui veulent faire du, du thermoformage en imprimant 3D, il y en a déjà, j'ai vu ça, c'est assez beau. Euh, ils peuvent s'y donner à, à cœur joie. Voilà, petit reproche pour un jeu excellent. Je ne lui mettrai que 9,9 sur 10 à cause de ça. Donc, euh, allez-y, foncez. Dès qu'il retourne en boutique, euh, il faut vraiment que vous vous lanciez là-dessus. Vous ne laissez pas avoir par le mot expert sur la boîte. C'est du familial plus, ou en tout cas une introduction, je pense, au jeu expert, parce que... Il y a, y a de la planification, mais c'est pas non plus euh, paralysant. On va toujours pouvoir faire quel quelque chose. On est rarement bloqué, sauf si vraiment on crame toutes ces cartouches dès le début de la partie. Euh, et encore, on pourra toujours euh, rebasculer sur autre chose. Donc, euh, à avoir là aussi dans sa ludothèque, absolument! On reste chez Yellow qui a sorti quand même pas mal de très bons jeux ces derniers mois. Euh, cette fois-ci moins prise de tête, quoique parce que c'est un casse-tête que je vous présentais. On l'a vraiment apprécié ici à la maison. Ce jeu, oups, je crois, <laughs> il est là. J'avais oublié de le mettre de côté. C'est Marble Circuit. Marble Circuit, c'est très simple. Les règles, c'est dans un tout petit euh tout petit calepin vraiment très très simple c'est un casse-tête en 64 missions de difficulté bien sûr euh, croissantes, on a des petits des petits cubes enfin des petits cubes des petites plaquettes on va dire de couleurs qui sont euh, toujours de la même forme par couleur il y a un agencement qui va être proposé par le défi qu'on aura choisi et le reste il va falloir positionner euh, ben, les tuiles qui nous restent pour permettre aux billes qui vont devoir se libérer qu'on va libérer progressivement se mettre dans les encoches là tout en bas selon ce qui aura marqué dans le défi. Qu'il y, qu y en ait 0, 1, 2, 3 ou 4. Ou même la totalité des billes, je crois aussi des fois. Euh, voilà, c'est très très simple. Je pense que c'est à découvrir. Moi, c'est typiquement le genre de jeu. Mais que j'aurais aimé avoir quand j'étais gamin pour réfléchir un petit peu. Il y a des casse-têtes. Je suis resté quand même plusieurs minutes, des dizaines de minutes même, pour essayer de trouver la, la configuration adéquate pour gagner le défi. Euh, très simple. Euh, très rapide, c'est sans prétention aucune, mais voilà, je voulais vous en parler parce que, et parce qu'on l'a beaucoup apprécié. Nous, on le sort rapidement quand on veut se faire un, deux, deux, deux ou trois défis. C'est quelque chose de très très simple à, à mettre en place, et voilà, c'est très appréciable. Si vous aimez les casse-têtes un peu originaux, les puzzle games comme on dit aujourd'hui, euh, quelque chose d'assez original et de nouveau, et eh bien allez-y. Euh, je sais pas à partir de quel âge je sais, ça partir de 8 ans, bien sûr, ça se joue en solo, mais on peut nous aussi les jouer en duo, il n'y a pas de problème. Allez, j'espère que vous êtes toujours là, vous êtes encore là, parce que là je vais vous parler de jeu qu'on a eu en avant-première, un grâce à la box de Ludum, que qui nous a proposé un jeu qui devrait sortir courant du mois de mai et qu'on va... D'ailleurs, je vous en parlais de suite. Et l'autre, c'est un jeu qui nous a été proposé par les éditeurs pour vous le présenter aussi, et on l'a vraiment adoré. Euh, ben on commence par le premier. Merci Ludum, pour cette exclusivité, mais pas pour longtemps, je vous le rassure. C'est Jekyll versus hop là, Hyde. Donc tout le monde connaît euh, le, le protagoniste et ses, ses ambitions parfois un petit peu schizophréniques. Mais euh, ben c'est justement ça le jeu, parce que c'est un jeu... En duo, enfin en duo, en duel plutôt, à partir de 10 ans, c'est uniquement pour deux, donc pour des parties de 20 minutes. C'est du jeu de pli, les jeux de pli, ça en vend poupe. Je pense à The Crew qui a gagné de multiples prix. Et donc ici, c'est un jeu de pli, mais uniquement en duel, en 1 contre 1. Je ne pense pas qu'il y en ait sur le marché. En tout cas, moi, je ne les connaissais pas. Dites-le moi hein, en commentaire si. Euh ben, si vous en connaissez d'autres, je serais très, très surpris et curieux d'aller découvrir ça. Donc, ça se joue en duel, comme je vous le disais. Il y en a un qui va incarner Jekyll, qui va tout faire pour résister à son autre facette un peu plus démoniaque, on va dire. Et l'autre va euh, incarner Hyde, qui lui devra tout faire pour le perturber et faire avancer un pion. Un pion d'ailleurs en, en métal qui est vraiment très 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 joli. Ça bonifie le jeu, vraiment, euh, sur le bout de la piste. Voilà. Comment ça va se jouer ben, À la manière d'un jeu de pli classique. Donc, il y en a un qui joue la couleur et si l'autre a la même couleur, c'est celui qui aura le chiffre le plus grand qui va remporter le pli. Mais là où ça va être intéressant, c'est que si on joue une couleur différente, et eh bien là, ce n'est plus le chiffre qui, qui entrera en compte, mais c'est la, va, enfin, la valeur, la force, on va dire, de la couleur. Et la force de la couleur, elle sera dépendante de... Ça va être compliqué à, dire ce que je, à comprendre ce que je vais dire, mais la, la, la valeur des couleurs dépendra des couleurs qui seront mises le plus tôt possible pendant la partie. Je sais pas si c'est très compréhensible. Par exemple, si je joue une carte verte, parce qu'il n'y a que trois couleurs, si je joue une carte verte en premier, je vais poser le pion euh, des, des, des valeurs en premier. L'autre va jouer un vert, ok, on continue. On joue un rouge, donc ça va être le rouge en deuxième. Si je joue un violet, ça va être le violet en troisième, etc. Voilà. Et donc, même couleur, c'est le chiffre qui prédomine. Couleur différente, ça sera la valeur qui prédomine. C'est bon mais il y a un troisième type de carte aussi, c'est les cartes potions. Et que je les joue en premier ou que je les joue en deuxième, eh bien la potion va me permettre de faire le pouvoir indiqué justement par ces jetons selon la carte de l'adversaire. <laughs> Ça va être par exemple d'échanger des cartes, de voler un pli à l'adversaire ou alors de remettre un petit peu à zéro les valeurs de ces cartes. Voilà, mais vous allez me dire pourquoi voler des plis Eh bien parce que comme je vous le disais, euh, Jekyll va tout faire pour maintenir l'équilibre entre, euh, bah, entre les personnages et devra tout faire pour avoir... 5 plis d'un côté, 5 plis de l'autre, parce que ça se joue en 10 manches. Enfin, en 10, ouais, en 10 tours. Quoi. Ce, euh, celui qui aura donc le plus de, de plis ne sera pas forcément le gagnant, en tout cas si on est Jekyll. Le but, c'est qu'il y en ait 5 de chaque côté, il y a égalité, parfait. Mais le but de Hyde, c'est de faire tout pour déséquilibrer un petit peu la balance. Donc, il devra tout faire, soit pour être majoritaire, soit pour que l'autre ait, ait beaucoup plus de, de plis que soi. Euh, parce qu'en fonction de l'écart, si j'ai 6 plis par exemple et que l'adversaire en a 4, je fais la différence, différence de 2, et j'avancerai le pion de 2, et on fait une deuxième partie. Parce que le jeu se jouera en 3 manches. Au bout de 3 manches, si Jekyll est toujours là, bah, tant mieux. Mais si Hyde a, a traversé tout le plateau, bah, c'est le côté sombre qui, qui l'aura emporté. Voilà. C'est très innovant, je trouve. C'est un jeu de plis. J'aimais pas trop ça, je commence vraiment à apprécier de plus en plus. La version duel, elle amène vraiment ce côté tactique. C'est pas un jeu qu'on joue comme ça. Hein. Il va falloir vraiment quand même réfléchir et comprendre un petit peu les cartes, mettre du bluff aussi, parce que toutes les cartes ne seront pas mises en jeu. Il y aura des cartes qui seront écartées en début de partie, donc on ne sait pas forcément ce que l'autre aura en main. Même si, au fur et à mesure des manches, on va s'échanger des cartes, comme souvent au tout début de la manche, et ça nous permettra de donner des indices un petit peu sur nos ambitions et sur ce qu'on va essayer de faire. En tout cas, au mieux, avec le jeu qu'on a. Jekyll versus Hyde, je peux que vous le recommander. Euh, il va sortir au mois de mai, normalement. La boîte, elle est énorme, mais en fait, le matériel... Enfin, énorme, c'est une petite boîte. Mais à l'intérieur, il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi. Il n'y a que ça. Il y a ça et le plateau, voilà. Donc ça, bon, gain de place, je ne pense pas. Hein. Bon, ils font le standard. Mais, mais voilà, c'est un jeu qu'on est ravi d'avoir... Parmi nous, il va nous accompagner, je pense, durant de nombreux mois. Et on continue avec les exclusivités. Je vous en parle en dernier parce que lui non plus n'est pas encore sorti. Il est de toute beauté. Ça invite au voyage. C'était une activité que j'adorais faire avant le confinement. C'est la plongée parce que je vous parle de dive. C'est de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes. Et c'est de toute beauté beauté c'est ultra familial c'est très contemplatif et ce que j'apprécie aussi dans les jeux c'est que le thème qu'on peut très bien comprendre quand on voit cette illustration c'est qu'on va devoir aller plonger pour récupérer une pierre sacrée ancestrale c'est que, que la, la thématique elle est en totale harmonie avec les mécaniques de jeu alors vous allez me dire mais comment ils ont fait pour représenter peut-être la plongée eh bien c'est assez ingénieux parce qu'ils ont utilisé des cartes transparentes. Il y a une multitude de cartes transparentes avec des illustrations à chaque fois différentes et qu'on va superposer et on va tout voir justement comme si on regardait à travers notre bateau et qu'on regardait un petit peu l'eau euh, avec toutes les embûches qu'il pourrait y avoir. Il va y avoir des tortues, il va y avoir des rémentins, il va y avoir des baleines, il va y avoir des requins surtout. Il y aura plein d'animaux comme ça, des algues, des petits poissons, etc. Et le but ça va être de planifier au mieux possible chaque étape. On va devoir faire une étape de 5 euh, cartes, comme si on plongeait avec une certaine euh, apnée. Et on va devoir planifier un petit peu sur ce qu'on va rencontrer. Il faudra avoir la planification juste, sinon on ne va pas pouvoir plonger plus profondément, on devra remonter. Et comment on planifie et bien Avec des petits jetons qu'on a euh, cachés derrière un paravent et sur son plateau individuel, on va choisir soit de mettre un pion avec un chiffre, je vous expliquerai après, euh, soit sur sa face normale. On estime qu'il y a pas de requin, il n'y a pas de danger. Ou alors de l'autre côté, et là on estime qu'il y a un danger, qu'il y a un requin, il faudra le mettre donc sur cette face-là. Et, et c'est parti, on va devoir révéler après, une fois que tout le monde aura joué, on va révéler successivement les cinq premières euh, cartes transparentes et voir si on a juste ou si on a tort. Si on a juste et eh bien on descend, on utilisera nos bulles d'air et l'apnée pour plonger en profondeur, et si euh, eh bien, on s'est trompé, eh bien, notre plongée s'arrête là, on remonte à la surface, et donc on avancera notre plongeur, d'ailleurs les Mipple plongeurs c'est juste du bonheur, quoi. c'est vraiment trop mignon, c'est trop beau, euh, et on avancera donc notre plongeur en fonction du nombre de bulles qu'on aura réussi à planifier exactement. Et là où c'est malin et la planification a vraiment tout son intérêt, c'est qu'il y a aussi un peu de mise aux enchères. C'est-à-dire que le chiffre sur ces jetons-là va aussi représenter euh, la force que je vais mettre dans mon, dans mon, dans mon pari. Parce que si il y avait des tortues ou des rémentas sur la plaquette, sur la feuille transparente qu'on révèle, c'est celui qui aura le chiffre le plus élevé qui va pouvoir bénéficier de, ce, de cet animal marin et pouvoir avancer un petit peu plus, d'avancer de une case pour les tortues vertes, de deux cases pour les tortues rouges, si je me souviens bien. Et avec les rémentas, on va pouvoir directement rejoindre le plongeur qui était devant nous. Donc il euh, y a aussi cette mise aux enchères, cette planification parce qu'on va pouvoir aussi mettre jusqu'à deux pions sur une même zone mais ça veut dire aussi qu'on va utiliser euh, nos, nos cinq jetons, on en déplacera un pour faire une double enchère mais donc on pourra plonger un petit peu moins profondément en tout cas si on arrive à, à avoir tout juste. très simple mais en même temps c'est pas si facile parce que bien, on se fait vraiment avoir par la transparence. On... ah mince le requin non j'avais pas vu qu'il était ici, etc. C'est vraiment beau, il y a une feuille transparente que j'adore, moi c'est la baleine, elle prend toute la place, c'est assez énorme. Voilà, il y a un mode joueur solo, je vous le répète, je ne l'ai pas essayé, voilà c'est paraît que c'est super, mais bon, moi je ne pense pas pouvoir l'essayer, ça me plaît pas trop de jouer le jeu tout seul. C'est un jeu ultra familial, très contemplatif, comme je vous le disais, qui est, qui est très très beau à mettre entre toutes les mains, je ne dis pas ça parce qu'on me l'a... Offert, oui, on m'a permis de vous le présenter. Je vais en faire une vidéo dédiée parce que j'ai vraiment apprécié ce jeu. Euh, C'est que vraiment, il a de fortes, fortes qualités euh, entre adultes, entre avec des enfants en famille, ça passe et tout le monde va y trouver du bonheur. Euh, tout le monde va, il y aura pas l'adulte qui va devoir forcer un petit peu le trait pour descendre un petit peu son niveau de planification et d'observation. Non, si se plante, il se plante quoi. Et les enfants pourraient bien un peu nous, nous prendre un petit peu prendre un petit peu les devants là-dessus. Donc c'est ça aussi qui fait un, un bon jeu familial. Et en plus de ça, pour mettre un petit peu plus de rejouabilité, même si je trouve pas ça indispensable, mais ça mérite d'être là. Et surtout c'est très très beau. Il y a un thermoformage d'excellente qualité. Alors là, c'est du bonheur vraiment, petits oignons. Mais il y a des animaux marins qui pourront nous accompagner. Euh, on va devoir en choisir un en début de partie aussi, et qui, euh, par leurs caractéristiques propres, vont mettre un peu plus de piquant. Est-ce que, par exemple, le poulpe, ben, à tout moment, je pourrais le balancer euh, sur le plateau Est-ce qu'il va euh, gêner les autres dans leur planification On pourra parier sur les autres, on pourra faire en sorte euh, d'avoir plus de possibilités avec une sixième bulle, etc. Chaque animal marin a, a une capacité qui lui est propre, et voilà, ça met un peu plus de, de renouveau dans le jeu. Les tuiles, elles sont très bien faites, attention quand même à la rayure. Mais pour l'instant, nous, on y a joué quand même pas mal de fois et on prend toujours autant de plaisir. En tout cas, on a, on a hâte que le confinement se termine pour pouvoir le présenter au plus grand nombre. Et bien voilà Voilà C'était dur d'en sélectionner que 3. Alors, j'ai joué la facilité peut-être. Mais j'en ai choisi 10. Mais ces 10 là, je voulais vraiment vous en parler. Faire une sélection un petit peu de ce mois d'avril qui a été riche en nouveautés, en exclusivité et aussi malheureusement en rupture de stock. Mais voilà, foncez s'il y a des jeux qui vous ont intéressés. N'hésitez pas à, à liker, partager comme toujours et à commenter si vous avez des questions sur des jeux en particulier, euh, des précisions que vous voulez amener à tout ça. Et voilà, j'essaie d'y répondre comme toujours euh, mais au plus vite. Vous êtes toujours bienveillants. On est presque 2700 sur, le, sur la chaîne. C'est assez incroyable. Donc un grand merci à vous. Et euh, je suis ravi de partager ça avec vous, que vous me le rendiez comme ça, c'est assez incroyable. Continuons comme ça et je pense qu'on pourra aller loin. En tout cas, ça fait toujours plaisir de vous présenter ça. Et, et voilà, n'hésitez pas à me, à me soutenir et à me dire ça dans les commentaires aussi. Et comme toujours, après chaque vidéo, vous avez l'habitude maintenant, je vous laisse le petit catalogue de vidéos qui est juste ici. Allez-y, allez découvrir mes dernières vidéos, les dernières nouveautés des jeux que je vous présente. Et d'ailleurs, il y a quelques-uns de ces jeux-là que je vous présente un peu plus en détail, avec plus de matériel, plus de, de règles et surtout plus d'avis. Et ben, je vous dis à très vite sur la chaîne les amis. Ciao